Witty song, fiddle love, fiddle fire, witty fire, witty fire, sigh, I am, witty fire. Bah, si, on va faire une petite réunion avec le père Croze et avec Royce. Et voilà, on va se mettre dans un petit coin tranquille. Est-ce que vous incluez Geddon? Le forgeron. Bien, on va révéler au père Croze que ça parle un peu du sang particulier. Donc, pour le coup, à lui de voir s'il veut inclure Geddon ou pas. C'est pas une bonne idée dans ce cas. Pas une bonne idée. Effectivement. Donc, vous allez chez le père Croze, hein, en fait. Voilà. Vous allez aller dans un salon du père Croze, il va vous servir une petite liqueur, vous allez vous mettre à l'aise devant un feu de cheminée. Ouais. Donc après lui avoir expliqué ce qu'on avait fait en son absence, on lui dit nous avons pu voir la créature qui aurait attaqué le troll. Et cette créature est assez inquiétante, je n'en ai jamais vu des comme ça. Plus grande qu'un humain, costaude, des cornes, une fourrure sombre, des griffes énormes, et surtout une grande tendance à être extrêmement intéressée par le cimetière où il y a certaines tombes, notamment celle de Saul. Vous avez réussi à voir à peu près le chemin qu'elle prenait, où elle se cachait, par exemple? Non, pas du tout. Non, pas encore, mais vu le peu de traces, j'ai l'impression qu'elle passe par les arbres. Ce sera sans doute par des griffures ou des poils dans les branches qu'on pourra repister son chemin. Mais de nuit, c'était pas possible, donc ça tombe bien que vous arriviez. Non. Oui, mais je veux pas vous inquiéter, mais nous aussi, on en a... Enfin, Royce, tu m'arrêtes si je me trompe, hein, mais c'est à peu près ça qu'on avait au cul. C'est bien ça. Bien. Sauf que nous, on était loin. Oui. Ah ouais, ça voudrait dire plusieurs. C'est ça l'idée. J'ai rien de plus à dire. Hein. Je voulais juste vérifier qu'on était bien d'accord sur le fait qu'il y en avait plus qu'une. Et espérons seulement deux. Ah oui, autre petit détail, a priori, le troll que l'on avait. le troll le troll que l'on avait abattu n'est peut-être pas si abattu que ça, il se serait remis. Bah, comment on les tue alors? En les immergeant. Ouais, mais est-ce qu'on le sait ça? Oui. Bah oui, c'est dans la lettre. J'ai fini par le savoir. Ah, grâce au, par exemple, la bibliothèque de Dambre, c'est le genre d'information sur les créatures qu'elle peut avoir. Effectivement, les trolls n'aiment pas l'eau, mais pour une très bonne raison. Pour le coup, on le sait. Ok, voilà. Bon, maintenant, on le saura. Les trolls se dissolvent dans l'eau. Ils sont solubles dans l'eau. C'est ça. Pour ça qu'ils sont sales, hein, ils se lavent jamais. Bon. Alors, vous l'avez peut-être oublié, ou alors vous ne voulez pas en parler, mais je vais vous dire un seul mot, je vais vous dire le mot souffre. Maintenant, vous choisissez. Ah oui, ouais, non, j'avais zappé. J'avais zappé. Je crois que je l'avais mis dans le résumé que j'avais fait par écrit. Oui, il me semble que tu l'avais mis. Mais est-ce que tu l'as pas entouré de conneries rigolotes? Non, même pas, elle était super sérieuse. Ah, j'en ai pour une fois, elle a été super sérieuse. Ouais, enrobée de caramel. Enfin, bon, toujours est-il, donc oui. C'est comme un michoco, il y a le caramel dedans, mais c'est entouré de caramel. Ouais, ouais. Donc on reparle de ces histoires de gens qui ont des réactions un peu particulières, qui se battent entre eux, odeur de soufre et pas de traces.
Et pourtant, la créature qu'on a vue, elle a pas d'aile, elle a pas de... Et elle est parfaitement visible, elle. Du soufre. C'est original. Mais si ça sent mauvais comme ça, on peut repérer. On peut la suivre, non? Peut-être, mais c'est une odeur volatile, donc il faudrait vraiment la repérer sur le fait et la suivre au fur et à mesure. Si cette odeur est émise constamment. Elle sent constamment le soufre ou c'est juste quand elle fait des trucs particuliers? C'est une excellente question. C'est William qui a eu l'occasion de la voir. Est-ce qu'elle sentait activement le soufre quand tu l'as vu tout le temps? Alors, non. William n'a rien vu. William a vu une créature dans les arbres au cimetière, mais là, il n'y avait pas d'odeur. Voilà. Bah oui, c'est ça. Donc c'est soit sans rapport, soufre, l'odeur de soufre et la créature, soit elle ne le sent pas constamment. L'odeur soit de ça soufre, n'a aucun rapport et que ce n'est pas la même créature. Ça a été devant la fenêtre de la maison d'Althea pendant que vous parliez. Et heureusement que ton écureuil a pété un câble, sinon vous n'auriez absolument rien vu. Et ça a été quand il y a eu la bagarre sur les docks, que tes dockers se sont battus, il y a eu l'odeur de soufre qui a fini par s'évaporer. Mais ces deux fois-là, on n'a jamais vu la créature, on a supposé. Non. Et surtout, c'était deux fois deux jours. Ouais. Mmh. Ouais. Je dirais même que c'était deux fois deux jours, tôt le matin. Et au milieu de gens, c'était en ville non, et nous, tout ça, je veux dire... C'était pas tôt le matin, parce que le temps qu'on interroge les gens, il n'était pas si tôt que ça. C'était pas au premier interrogatoire qu'on a eu le pétage de câble de l'écureuil. Non, mais je parle des pétages de câbles. Ah, des pétages de câbles de gens. Okay. Le premier pétage de câble, ça a été le couple qui s'est engueulé avant que vous alliez interroger les gens, tôt le matin. Le deuxième pétage de câble, ça a été au lever sur les docks, les dockers qui prenaient leur poste. Ouais, ouais. Tout à fait. Et le Pacross vous dit, oui, c'est peut-être une coïncidence. Et il n'a pas le temps de terminer sa phrase qu'on tape à la porte et que vous voyez la jeune fille qui sert d'assistante au père Croze, la jeune Léa, dont je suis ravi d'afficher le portrait pour une fois qu'elle a quelque chose à dire, celle-là, qui rentre avec son air tout timide et qui vous dit pardon de vous déranger, mais il y a une bagarre dehors. Coïncidence, je ne crois pas. Et ça a l'air grave. Elle s'efface. Elle se plante timidement derrière la porte, vous laissant passer, quoi. Bah, vous sortez de la maison du père Croze. Je la remercie. Vous avez en ligne droite le bâtiment de l'ancienne garnison qui a été reconverti. J'ai trouvé en quoi ça avait été reconverti d'ailleurs. En armurerie. C'est là que le forgeron avait stocké tout le matos que vous avez récupéré. Et devant, vous avez des miliciens en train de se foutre sur la gueule. Oh, voilà. Le problème, c'est qu'ils sont armés. Ouais. Et autant pour l'instant, ils se chamaillent, ils filent des coups de poing, autant ça commençait pareil sur les docks, sauf qu'à la fin, il y en a un qui a été poignardé. Ouais, et là, ils ont des armes. La dernière fois, je me suis pris des beignes, j'ai pas envie de me prendre des coups d'épée, là. C'est risqué. Vous leur avez appris à se battre. Tu peux pas nous faire un petit golem d'air au milieu, là, pour les calmer? Bon, on va déjà essayer de les rappeler à l'ordre avec notre charisme naturel. Bah, bonne chance, hein, moi j'avais essayé de la dernière fois, même leur collant des pains, ils ont pas voulu, alors... Ou un golem d'air. Ouais, enfin, en même temps, ton charisme naturel, on le connaît. Eh ben, c'est pas compliqué. Par la tronche, le charisme... Est-ce que l'un d'entre vous se colle à essayer de leur gueuler dessus pour qu'ils s'arrêtent? Ouais, je gueule, mais j'y crois pas deux minutes. Mais je demande à Royce de m'aider aussi. Tu as une difficulté de 10. Ouais, ben on va essayer. Charisme ou autre chose? Tu vas cliquer sur le score de charisme. Intimidation, ça peut marcher? Il y a un truc d'intimidation? Ils sont déjà énervés. Oui, mais c'est une compétence réservée aux guerriers. Tu t'y emploies au maximum que tu peux. Alors, je te cache pas qu'il fallait que tu fasses 10 sur le dé, hein, vu que t'as pas de bonus. Hein. Voilà. Ouais, j'imagine. T'avais une très très faible chance d'arriver à calmer quoi que ce soit.
encore une fois, t'as la même impression que sur les docks, c'est-à-dire qu'ils n'écoutent pas. Même Guédon est en train de leur hurler dessus. Est en train d'essayer de les séparer, et il a plus de charisme que toi, et en plus, ce sont ses hommes, donc il a une sorte d'autorité naturelle. Hein. Mmh. Les mecs ont l'air comme fous. Et ça s'engueule, ça s'invective, ça prend parti, ça fait des groupes, c'est en train de monter en pression, quoi. Althea, s'il te plaît, aurais-tu l'amabilité de bien vouloir intervenir, s'il te plaît ? Et si, plutôt que de faire un truc qui les fâche, je lançais plutôt un sort de sommeil pour essayer d'un peu calmer tout le monde. Des fois que ça marcherait. Bah écoute. Parce que dans la mesure où ils ont l'air énervés, les énerver encore plus me semble pas forcément adéquate. Tu peux faire de l'endormissement de masse ? Bah normalement ça marche sur... un des six créatures, ils sont combien ? Alors... Nous allons voir combien il y a de miliciens. Sachant qu'il y en a 12 au total. Je vais t'en mettre... Non, ça peut pas être 1. Il peut pas s'engueuler avec lui-même. Salaud 8. Il y en a 8 qui sont là. 1. C'est trop. Ok. Enfin bon, pour un seul sort, faudrait en lancer 2. Si tant est que tu ne fasses pas 1... sur le dé. Alors que fais-tu ? Tu regardes ta jauge de mana actuellement, je sais. Ouais, je regarde ma jauge de mana, je me dis qu'il y a des créatures méchantes qui traînent. Je sais, mais c'est compliqué en fait. Ce que les non lanceurs de sorts ont pas en tête, c'est que ça descend à une vitesse phénoménale et ça remonte très lentement. Je me doute, hein, je demande pas ça gratuitement, mais si on peut éviter des morts chez les miliciens. Je vais tenter le sort que je n'ai jamais sorti de frayeur, ma foi. Il est pas cher. Je sais pas s'il marchera, parce qu'il marche contre les gens qui veulent t'agresser, toi. Faudrait que tu te jettes dans la mêlée, si tu veux. En espérant qu'aucun garde ne réussisse le jet de volonté. Ça se tente, hein. Si t'es joueuse. Une illusion, je sais pas, fait apparaître un troll au milieu, ça les calmera peut-être. Sachant... Ils se disputent, on sait à quel sujet, non, en fait. Là, vous êtes arrivés un peu au milieu, et ça c'est plus des insultes qu'une discussion précise. Sachant... Il n'y a pas vraiment de sujet, je tu précise, sais, ça leur fait péter des câbles, utile, en fait, c'est tout. Qu'une illusion, c'est pas forcément visuel. Ça peut être olfactif, ouais, ça peut être ça une peut explosion, être, ça peut être un gros bruit, ça peut être une odeur, une illusion. Voilà. Je dis pas que c'est ça la solution, mais à chaque fois qu'on pense illusion, on pense image transparente, mais ça peut être autre chose. Un rugissement de dragon au milieu, ça devrait les calmer. Hein. Allez, tentons le grand rugissement de dragon, ou plutôt un gros coup de tonnerre aussi, ça peut peut-être marcher. Niveau 2, c'est ça ? Parce que bon, j'ai jamais entendu de dragon rugir, soyons honnêtes. C'est pas très grave. Bah tu as entendu un troll rugir. Voilà. Ah ouais, tu vois. J'ai entendu un troll rugir, il paraît qu'il y en a un dans les parages, allez. Sort de niveau 2, c'est bien ça ? T'entends le rugir. C'est lequel ? C'est marqué en haut à droite. Ouais, 2. Ok. Ouh, cette jauge de mana qui descend. Rendez-moi ma mana. Tu n'es pas encore assez doué pour pouvoir te passer de gestes qui trahissent un peu le fait que tu lances un sort. Donc t'es à peu près au moins obligé de viser la zone avec ta main, de te concentrer. Et retentit au milieu du village l'énorme hurlement de troll que vous avez eu quand il est sorti de la forêt. Assez bien reproduit, ma foi. Comme, fidèle à ce que tu as à l'esprit. Autant vous dire que ça cloue tout le monde sur place. Les gens regardent, alors ils savent pas trop regarder, il y en a qui regardent en l'air, est-ce que ça vole, d'où ça vient. En tout cas, ça disperse la tension. Et les gardes s'écartent un peu. Guédon est aussi scotché, donc il n'arrive pas à reprendre le pas sur ses hommes, puisque lui-même il est en train de chercher autour
qu'est-ce que c'est que ce truc encore qui va vous tomber sur la gueule. Bon, tout le monde est calmé là ? Oui, vous êtes tous les trois autorisés à me faire un petit jet en perception, ceci étant. Mais il n'y a pas de troll, on le sait. Et pourtant, un troll, eh merde. On se disait aussi qu'elle était bien réussie cette illusion. Alors, Royce, tu sens une odeur de soufre. De là où t'es. C'est étonnant. Althea, tu entends un bruit de battement d'ailes qui s'éloigne. C'est, je vois d'où, j'arrive à repérer, j'essaie de me tourner dans ce sens-là. T'as une vague direction. Alors, c'est pas battement d'ailes de dragon, hein, c'est battement d'ailes de chauve-souris. C'est un peu frénétique, en fait. Qui s'éloigne donc assez vite. De gargouille. Qui est... Moi, je vais l'appeler la gargouille. Quand toi, tu l'as aux oreilles, il est vraiment très ténu. Tu vois, limite, tu t'attendais à voir un oiseau en train de s'envoler au loin, quoi. Sauf qu'il n'y a pas d'oiseau. Et en quelques secondes, le battement d'ailes disparaît parce qu'il est trop loin. D'accord. Petite créature ailée. Petite, je ne sais pas. En tout cas, je leur en parlerai plus tard puisque là, on doit engueuler les médecins. Guédon est un peu premier à reprendre ses esprits. Il colle 2-3 baffes en prenant position au milieu de ses hommes pour être un rempart en quelque sorte. Commence à donner des ordres, toi là-bas, toi ici, enfin il les éloigne, il les écarte. Des soldats essayent de s'expliquer, il leur dit qu'il veut pas savoir, qu'ils en parleront plus tard. Pour l'instant il est trop énervé, voilà, c'est un peu ça l'idée. Déjà on va peut-être expliquer qu'il n'y a pas de troll, que tout le monde n'aille pas commencer à courir partout, hein, voilà. On a juste imité le bruit d'un troll pour les calmer, c'est tout. Voilà, tout va bien. Il n'y a pas de troll, vous inquiétez pas. Les miliciens regardent Althea avec un drôle d'air. Ça va, tout le monde fait de la magie dans ce univers. Ouais, mais c'est ça. On savait qu'elle savait faire des trucs. C'est pas la seule au monde à savoir faire des trucs, mais c'est la première fois qu'il le voit, en fait, qu'il le constate. Et c'est magique, donc c'est un peu impressionnant. Leur fait un gentil coup de la main. Ne vaut mieux pas. Alors, c'est pas de la rancœur, hein, c'est pas de l'inimitié, mais c'est voilà, t'es plus la nana qui fait des plantes, tu vois, t'es passé un stade un peu au-dessus pour eux. Non. Après le thé, les sorts. Vous allez rentrer avec Gaydon dans l'armurerie. Il va vous expliquer qu'il sait pas d'où ça vient, mais ça ressemble vachement à ce qu'il a vu sur les docks. En fait, les gens se sont mis à s'énerver et il vous dit bon, on est d'accord, c'est pas un hasard deux fois. Trois fois. Non, on devrait lui expliquer. Vous êtes d'accord? Oui. Trois fois. Ouais. Donc on lui explique, petite créature ailée, odeur de soufre, méfiance, peut-être invisible d'ailleurs, sûrement invisible. Mis à part l'histoire qui concerne éventuellement Sol, vous lui racontez tout le reste? Ou vous arrêtez à cette petite description? Je pense qu'on peut parler du reste sans parler de l'affinité pour les cimetières et les personnes particulières. Alors, lui, il va avoir une idée. Il va vachement tiquer sur le fait que ton écureuil, il a repéré. Et il va vous dire ce qu'on pourrait faire. Ça serait faire le tour des fermes et ramener les chiens. Au moins, si un chien se met à aboyer alors qu'il n'y a rien du tout, ça nous mettra au moins en alerte là-dessus. Après, je sais pas si ça va suffire à empêcher, empêcher ça, quoi. Je sais pas comment ça fait, mais ça fonctionne bien. Et puis, on est bien d'accord, c'est encore le matin. C'est encore tôt. Qu'est-ce qu'il y a? Elle est réglée comme une pendule, c'est ça l'idée? C'est tous les matins, elle vient faire chier, et après elle s'en va. Elle est venue là que pour ça. Bon, ok. D'accord. Peut-être qu'elle ne vit pas le jour. Si elle a un rapport avec l'autre créature, elle est plutôt nocturne.
Vous savez que pour les gens, j'incarne un peu l'autorité militaire dans le village. Alors, je sais bien que c'est officiel, mais c'est un peu compliqué encore, hein. On est honnête. Les gens, parfois, viennent me voir pour des petits trucs. Quand ils veulent se plaindre, quand ils ont un souci. Comme si j'allais le régler, quoi. Ça fait 2-3 jours qu'il y a une recrudescence de trucs qui disparaissent. Je dis pas que c'est lié, mais ça expliquerait pas mal de choses, en fait. Comme l'argent du couple. Il y avait l'argent de ce couple, ouais. Bah, par exemple, justement. Voilà. Par exemple, ça, mais il n'y a pas eu que ça, quoi. Il y a eu quoi d'autre ? Des petits objets de valeur, à gauche, à droite. Des gens qui retrouvent une fenêtre ouverte et il manque des objets. Des tiroirs ouverts, il manque des objets. Oui, donc c'est pas une si petite créature que ça, elle a visiblement un pouce opposable. Ouais, c'est pas un piaf, ça c'est sûr. En même temps, des piafs invisibles... Donc ça peut se transformer. Des piafs invisibles qui sèment la zizanie, j'en connais pas des masses. Ils font des paix au soufre. C'est un merle moqueur. Sous la gueule des gens, ça les énerve. Non, c'est une pile, ça pique des trucs. Bon, sinon, on peut faire des recoupements avec des bestioles ou des recherches à ce sujet, ou est-ce qu'on essayerait d'aller le pister depuis soit le cimetière ou soit depuis la ville si on a des chiens qui savent pister? Alors, je ne vais pas dire de bêtises, pister, vous aviez comme idée, la fois d'avant, d'utiliser votre nouvel ami, le vieux trappeur. Ouais, ouais. Pour mettre à profit ses compétences et apprendre des trucs, quoi. Depuis le cimetière. Ouais, on n'a pas eu le temps de le dire au père Croze, mais c'était ce qui était prévu. Ouais. Alors après, moi j'ai une idée peut-être idiote à soumettre, hein, mais ce serait d'avoir des sacs, je sais pas moi, de farine ou d'un truc en poudre quelconque, de blanc ou de couleur, peu importe, de la cendre, peu importe, mais quelque chose à balancer quand il y a des gens en train de se battre et que ça pourrait avoir une odeur de soufre. Guédon trouve que c'est pas con, et il vous dirait même éventuellement de passer par les docks et de vous munir tous d'un filet. Alors ouais, c'est pas facile à manier, ouais. C'est, voilà, vous avez pas l'habitude, mais n'empêche qu'un truc qui vole, une fois que c'est entravé, ça fait moins le malin. C'est complètement ce que je pensais. Ouais. Mais effectivement, c'est monde, plutôt une bonne idée. Et c'est pas très efficace, mais... Alors, ouais. Lui, il va en prendre, Guédon. Par contre, il est pas sûr de vouloir prévenir ses hommes qu'il y a une petite créature volante. Invisible. Ouais, voilà, c'est un peu trop pour eux, en fait. Ils seraient un peu perdus. Ils sont pas prêts à ce genre de... Ah ouais, tout à fait. D'événement, on va dire ça comme ça. Moi, je serais plutôt pour emmener Bancroft, alors vous en pensez quoi? Moi, je suis d'accord, j'y avais pensé aussi. Ouais, c'est le grand costaud cinquantenaire. Au pire, on le pousse devant, il se fait bouffer à notre place. La veille... La veille, tu lui en avais parlé, et il avait dit que c'est le genre de truc qu'il faut mieux faire à plein, à beaucoup, parce qu'on sait jamais qui va tomber sur la trace, qui va aider les autres à rebondir, etc. Pister tout seul, c'est toujours plus compliqué que pister à 12. Quoi. Oui. Donc là, vous seriez au moins 3. C'est un bon début. Althea, tu viens avec nous ou tu fais quoi? Pister des bestioles dans la forêt, ma passion. Ouais, j'arrive. Qu'est-ce que vous feriez sans moi? Elle va mettre ses bottes. Elle prend son panier au cas où. On essaye de recruter des chasseurs dans le village. Si vous le voulez, je vous offre la possibilité d'emmener avec vous jusqu'à 5 villageois. Et on récupère les chiens aussi, au passage. Alors, c'est pas au passage, parce qu'il faut aller dans une ferme quand même. C'est faire un crochet pour récupérer des chiens. Bancroft vous dit que c'est pas bête, surtout si les chiens ont été un petit peu entraînés. Voilà.
C'est pour amener une meute de caniche. Il en a pas besoin. Regarde, c'est sympathique, chihuahua. On peut envoyer quelqu'un chercher les chiens pendant qu'on commence à chercher les traces. Hein. Non, mais les chiens peuvent servir pour pister aussi. Ça ben, éventuellement. Oui, on peut toujours qu'à envoyer quelqu'un les chercher voilà. Pour éviter de faire le crochet, c'est ça que je veux dire. Envoyer des villageois. Une ou deux personnes les chercher, et le reste commence à chercher. Envoyer des villageois faire le tour des fermes. Voilà. Donnez-vous un point de rendez-vous. Comme ça, vous ne perdez pas. Le cimetière, c'est pas mal comme point de rendez-vous. Tout à fait. Le seul point de départ que vous ayez, c'est effectivement le cimetière. Bancroft est le premier des réfugiés à sortir de l'auberge, très officiellement, à sortir du village aussi, très officiellement. Vous inspectez le cimetière sous toutes ses coutures, la terre a été grattée de nombreuses fois. En divers endroits, et si on devait faire une petite carte de ces divers endroits, c'est quand même un petit peu la tombe de la mère de Royce et la tombe de Sol. Hein, globalement. Surprise, surprise. Bancroft pourra vous dire que ça date un peu d'hier soir, mais pas que. Ça veut dire que les créatures ont dû revenir plusieurs soirs de suite au même endroit. Elles utilisent les arbres dès qu'elles peuvent. Ceci dit, il y a des moments où il n'y a pas d'arbres, il faut bien qu'elles descendent au sol. Elles n'ont pas l'air de marcher. Elles ont l'air d'être à quatre pattes. Et d'avoir des pattes arrière assez musclées, parce qu'en fait, elles se déplacent pas comme un ours, elles bondissent. En plus, un mode de déplacement pour schématiser, on va dire, de panthère, vous voyez, pattes arrière très musclées, bonds en avant, et elles font de bons en bons, ce qui fait que leurs traces de pas sont très espacées, en fait. Elles sont effectivement grandes, hein, quand on mesure, puisque vu qu'elles bondissent, on voit leurs quatre pattes au sol, en fait. Donc on arrive à peu près à voir combien de mètres carrés fait la créature, donc c'est plus que ton chat, par exemple. Mais elle a moins de poils. C'est un peu compliqué à suivre, mais c'est pas non plus délirant. Vous arrivez à quadriller une espèce de routine, une espèce de chemin de routine qui passe par le cimetière, qui passe par un endroit où se dressa autrefois la cabane de Sol. Et qui maintenant est rasé, hein. il n'y a guère plus que vous pour savoir qu'il y avait une cabane là, qui s'enfonce un peu plus à l'ouest, faut marcher un petit peu, faut marcher une bonne demi-heure, mais qui arrive à la cabane d'Altea. Et la cabane d'Altea, elle a été forcée, on va dire. Elle a été malmenée. Humainement malmené? Non, c'est des coups de griffe. La porte a été défoncée. En plus qu'elle soit encore debout et qu'elle n'ait pas été recyclée. Ça a farfouillé à l'intérieur, ça a un peu creusé le sol, ça a abîmé les murs. Voilà. Elle n'est pas par terre en miettes, mais elle a été légèrement vandalisée. Ce sont les trois axes principaux. Ça a été creusé à l'endroit où il y avait la maman? Entre autres. Oui, disons que ça. Quand ils creusent la terre, c'est une large zone, hein, c'est pas 30 cm carrés, quoi. Donc c'est globalement, ta cabane a été retournée, quoi. Par exemple, c'est aussi là que Sol a passé sa dernière journée. Ouais. Il voulait en faire ma résidence d'été. Oui, il va falloir refaire la peinture. Mais c'est pas tout. Au-delà de ces trois chemins qui sont empruntés tous les soirs, et c'est aussi pour ça que vous arrivez aussi bien à les localiser, c'est que les créatures apparemment ils reviennent. Il y a une série d'empreintes qui, elles, s'éloignent, vous diriez, au loin. Et qui est assez facilement identifiable comme la direction d'où elles viennent. Suivons. Bah vous suivez, sauf qu'en fait, au bout d'une petite heure, vous suivez toujours. Et ah oui, on vole pas, on va moins vite. Bancroft vous dit, là, faut choisir.
que si on se dirige vers sa tanière, à force de la chercher, on va la trouver. Les chercher. Ah oui, la tanière, les bestioles. Mmh. Alors, vous en pensez quoi ? Ce serait bien d'essayer de savoir ce à quoi on a affaire, quoi. Moi, je serais pour continuer. T'en penses quoi, Alter ? Moi, je vous suis pour l'instant. Continuons alors. Ok, vous continuez à pister. Bancroft vous confirme qu'il y a plus d'une créature. Ceux avec les chiens sont avec nous ou pas encore ? Non, mais faudrait les attendre alors. Bah, il faudrait les attendre, je pense. Hein. Avoir les chiens pour être. Ok, donc vous attendez qu'ils arrivent. Ils arrivent. Ils ont ramené 3 chiens. Ils sont très contents d'aller se balader. Alors, on leur aura fait sentir les touffes de poils éventuelles et qu'on aura ramassé. J'en avais déjà une, alors voilà. Ok. Ouais, okay, celle qui est dans sa boîte. Vous allez suivre les traces tant bien que mal. Vous allez les perdre de temps en temps. Les retrouver plus tard. Vous allez identifier qu'une des créatures a un poil plus sombre que l'autre. Apparemment. Sinon, en termes de taille, elles sont assez identiques. Ça a l'air un peu standard quand même, cette connerie. Vous allez suivre la piste pendant encore 3 heures. Avant d'arriver devant une forêt. Alors, si on fait péter la carte... alors, je vous conseille de mettre la petite carte Cliffhall West. Hein, c'est pas la peine de sortir la grosse géante. Parce qu'on n'ira pas bien plus loin. C'est pas le but. Vous voyez... alors, tac, tac. Vous voyez les 3 petites collines qui annoncent le plateau des Sambos ? Oui. Voilà, vous êtes en train d'arriver en vue de ces 3 collines et vous avez le bois de Vein qui se trouve sur votre gauche. Et les traces ont l'air de vous emmener... alors, c'est un peu compliqué, vous diriez a priori plutôt vers les 3 petites collines. Sachant que là, vous arrivez dans un endroit où les créatures ne font pas une ligne droite mais apparemment se dispersent. Visite plein de choses. Vous avez l'impression qu'elles inspectent la zone en fait. Donc du coup elles patrouillent, peut-être pour vérifier qu'il n'y a personne, pour surveiller ou parce qu'elles cherchent quelque chose. Mais ça a globalement l'air de tourner peut-être... autour de ces 3 petites collines. Et peut-être qu'on devrait chercher ce qu'elles cherchent, non ? Qu'est-ce que vous en pensez ? En train de me demander s'il s'était passé quelque chose vers ces 3 petites collines et je suis incapable non. de m'en rappeler. Non, vous y avez jamais mis les pieds. Non, pas que je sache. Par éventuellement une fois par accident, je veux dire quand par exemple vous avez ramené le père Bastien, vous avez pu passer à côté, mais à part ça, non. Qu'est-ce qu'on pourrait... Voilà, bah, on peut toujours essayer de s'attarder pour voir si on remarque quelque chose autour de cet endroit-là. Peut-être découvrir quelque chose. On est à peu près en milieu de journée, là, pour l'instant, non ? Oui, oui, vous approchez assez clairement de midi. Ouais, moi, je serais quand même pour jeter un œil alentour, essayer de brasser une zone assez large et voir si on trouve pas quelque chose d'autre à part les traces, quoi. Vous vous séparez. Du passage humain, que sais-je ? Vous fouillez. Les chiens ont senti les touffes de poils. Alors, vous avez du mal à évaluer leur qualité de chasseur. Hein. Les chiens s'excitent un petit peu pour un lapin aussi, de temps en temps. Et or, c'est pas le but de votre chasse. Ouais, mais ils ne le savent pas, les pauvres. Au bout d'une petite heure, vous entendez le bruit d'un des mecs qui est avec vous, qui vous fait le petit signal que vous avez convenu sur « j'ai quelque chose ». Tout le monde se rabat dans sa direction.
Il est à l'entrée de ces trois collines, qui sont à 600 mètres devant lui. Et entre deux des collines, vous avez l'impression de voir quelque chose qui ressemble à un vieux mur, peut-être. Un bout de construction en pierre. Ah, intéressant, allons voir ça. Vous vous avancez. Vous arrivez devant le mur en question. Il est effectivement tendu entre deux petites falaises. Hein. Il bloque le passage. Il monte assez haut. Il est bien évidemment envahi de mousse, de végétation diverses et variées. Et ça fait combien de hauteur à peu près? Ce vous dire. À peu près 6 mètres. 6 mètres de haut. Et donc tu dis qu'il monte entre deux parois rocheuses, on va dire. Ouais. Est-ce qu'on peut monter sur ces... Elles sont escaladables. Sur les pentes. Elles sont parfaitement escaladables. T'en choisis une des deux. Bah, je vais escalader donc. Tu grimpes. Tu grimpes, c'est pas une promenade, hein, c'est un petit peu abrupt. Tu t'aides comme tu peux, c'est pas d'une complexité folle, ça va. Tu arrives en haut, le haut de la colline est boisé. T'es obligé de passer entre quelques arbres. Tu surplombes le mur en question, qui est quand même assez épais. Ça devait être une fortification de la fameuse époque où toute la zone a été fortifiée. Tu vois derrière le mur, alors c'est envahi de végétation. Ceci étant, c'est construit. Ça devait être peut-être une annexe de fort ou une caserne ou un truc comme ça, mais plutôt bien démoli. Tu distingues encore quelques toits qui sont encore en état, même si plusieurs tuiles ont volé dans tous les sens et c'est complètement recouvert de mousse et de feuilles et ce genre de conneries. Mais on va appeler ça une petite caserne. T'as l'impression que l'entrée doit se trouver de l'autre côté, sûrement. Moi, je serais bien tenté de fouiller ça, mais je voudrais pas non plus empêcher les poursuites, le pistage de continuer. Vous en pensez quoi? Après, on va peut-être trouver quelque chose d'intéressant là-dedans, donc. Au pire, fouiller les trois et laisser les autres pister avec les chiens. Et puis nous faisons s'y retrouver une piste intéressante. Bah, ils laissent des signes sur la piste éventuelle. Et on leur donne un temps maximum. Après, on rentre tous au village avant la nuit, de toute façon, parce que on va pas rester. Oh, vous voulez pas camper dehors? Non. Alors, j'ai promis à l'écureuil d'être rentré avant la nuit. Est-ce que vous avez tous une ration sur vous? Parce qu'il est midi. Alors, je regarde. Probablement, je ne sais plus, j'en sais rien. Apparemment, tu as un inventaire. J'en ai. Ouais, mon inventaire. Rendez-le-moi. Pas ici. Pas ici. Tout le monde peut manger? Arbalète. Oh, le pauvre Royce, il est encore parti les mains vides, comme d'hab. Pour changer. Je donne une ration à Royce. Ok. J'en avais. Ça marche. Vous en riez le nombre qui coûte. Pourquoi j'en avais? T'en avais et t'en as plus? Si, mais j'en ai. C'est ça. Non, mais elle est surprise d'être préparée en fait. C'est ça l'idée. D'accord. Ok. D'accord. Vous... Ration de voyage, sac de remèdes, incroyable. Vous déjeunez au pied des trois collines. Et une fois le déjeuner passé. Quelle est votre décision? Est-ce qu'on peut faire en sorte que les pisteurs nous laissent des traces pour pouvoir les rattraper? Oui. Bien sûr. Fouille. Vous convenez d'un système? Alors, moi, je serais partant pour fouiller ça. Ok. Ouais, donc, il continue à fouiller. Bancroft, qui fait partie des pisteurs, ou il est avec vous? Pardon? Bancroft, il fait partie des pisteurs ou il est avec vous?
Qu'est-ce qu'on fait? Parce qu'on le connaît toujours pas, je sais pas si on peut se permettre de le laisser partir tout seul avec les... Ouais, les c'est vrai. Et c'était un tueur psychopathe. Pas de bol. Ouais, non, mais en même temps, peut, ça se trouve, il peut les amener dans un guet-apens sans savoir quoi. Bah, en même temps, il est peut-être un peu plus doué aussi que les gars du village. Donc s'il y a un problème, il saura peut-être un peu plus les prévenir. Ou alors, et l'un moi, de nous va avec lui et... Alors on sait bien qu'il ne faut pas m'écouter. Ou alors on se sépare, l'un de nous va avec eux et les autres fouillent. Comment vous le sentez? Deux groupes de deux? On n'est que trois, je pense qu'il vaut mieux pas qu'on se sépare. Ouais, Bancroft, il ne faut pas le séparer non plus, donc on le prend avec nous. Il nous semble plus débrouillard ou les autres du village, ça va aller? Je veux dire, ah bah, peut pas le laisser tout seul avec les autres. Je te dirais les deux, mon colonel. Hein, il est plus débrouillard. Ça fait 50 ans qu'il fait ça, c'est son métier. Mais les autres, ils vivent dans le coin. C'est pas la première fois qu'ils s'aventurent hors du village. Bon, toi, Royce, t'en penses quoi? Non, je pense qu'il faut le garder avec nous. J'ai pas encore assez confiance en lui pour le laisser seul. Mais il est pas seul, il est avec 5 gars du village. Oui, non mais... seul avec les Althea, gens du village. Althea, tu as déjà dit ton avis. C'est pas la peine de contredire l'avis de tout le monde. Pardon. Ah, donc, on va le prendre avec nous et puis on va laisser les autres se débrouiller en espérant qu'ils seront pas tous tués d'ici à ce qu'on les rejoigne. Donc, les 5 villageois continuent avec les chiens. Ouais. Et vous avec Bancroft, eh bien, je vous écoute. Eh bien, on va passer par-dessus pas par les collines là, enfin par les falaises. On monte, hop, et on redescend. Et alors, on redescend, pas des masses. On tombe éventuellement. Ça peut non. se faire. D'accord. Ou alors on s'encorde. Donc on cherche un endroit pour redescendre. Ou alors on s'encorde et on descend. Non, mais sinon visuellement, il y a pas un endroit où on pourrait redescendre. Rejoindre un toit, puis descendre. Non. Non, il n'y a pas. Bon, ok, ben ça tombe bien, j'ai de la corde, alors encordons-nous. Vous l'accrochez à un arbre, vous la laissez pendouiller à l'intérieur de cette construction en pierre, et vous aidant de la corde, vous descendez un par un. Voilà. Vous vous retrouvez dans une cour en pierre, alors qui a été dallée, hein, dans un passé lointain. Les grosses dalles de pierre qui sont tous maintenant un petit peu disjointes. L'herbe a poussé entre les joints, les racines des arbres ont poussé gentiment les pierres. C'est un peu casse-gueule au final. C'est une espèce de grand puzzle pas terminé. Vous avez sur votre droite une sorte de gros bâtiment, très gros bâtiment, qui devait être peut-être le dortoir principal. C'est un peu ça l'idée. Sur votre gauche, vous avez un petit bâtiment. Alors en fait, curieusement, le toit n'est pas directement posé sur des murs. En fait, le toit est posé sur des pilotis, sur des poutres. C'est juste un auvent. Le reste est complètement à ciel ouvert. Mais pour y accéder, il faut quand même monter une petite volée de marche. Et sinon, la cour continue sur plusieurs mètres devant vous. Il y a différents murs. Vous ne savez pas trop où ça conduit. Et sur votre... au loin, sur votre droite, il y a ce qui a l'air d'être une tour. Une ancienne tour. Mais dans un sale état. Est-ce qu'on se sépare pour fouiller ou pas? Moi je serais d'avis ouais, qu'on se sépare pour fouiller. Ça on ira plus vite. Althea. 4. Non. On peut faire deux groupes de deux éventuellement. Faisons deux groupes de deux, qu'est-ce que vous en pensez? Ça me va. Allez, Royce, Althea, je vous propose le petit bâtiment, pendant que Bancroft et moi, on va aller voir le grand bâtiment. Ça marche. Je vais très très gentiment, alors il va falloir que je m'entraîne, hein, parce que je ne sais plus comment ça marche. Comme je ne l'ai rigoureusement jamais utilisé, je vais vous faire un petit dessin. Voilà, vous êtes à la croix. Ok. Le carré à droite, c'est une tour, plutôt effondrée en haut. Le rectangle à gauche, c'est l'espèce de auvent avec l'escalier qui y conduit.
Vous avez une sorte de mur qui fait un angle devant vous et allez savoir ce qu'il y a derrière, et l'espèce de caserne derrière la tour. Eh bien, Bancroft et moi, on va aller voir la caserne. Ok, et pendant ce temps, Altair Royce. La tour alors, peut-être. En direction de la tour. Donc pour l'instant, vous partez un peu dans la même direction, très honnêtement. Si ce n'est que arrivé sur votre droite, vous deux, vous vous intéressez à l'espèce de porte qui ferme cette grande tour. Alors, pas de décoration, rien, hein, c'est un cube. C'est un cube en pierre, très fonctionnel. Pendant que William et Bancroft, eux, franchissent une ouverture de porte, où il n'y a plus de porte depuis très longtemps, évidemment, pour aller voir ce qu'il y a à l'intérieur. Alors, l'option la plus décevante, c'est la tour. C'est la tour parce que elle est fermée par cette grosse et lourde porte ferrée, plutôt costaud, qui a plutôt bien résisté aux années, mais vous avez l'impression que la tour s'effondrant un peu, le poids du mur est venu taper sur le haut de la porte pour la coincer. C'est-à-dire que vous avez beau essayer d'ouvrir, vous n'avez même pas l'impression qu'elle soit vraiment fermée à clé, en fait, mais toute la masse de la tour fait que la porte est complètement coincée au niveau du sol, quoi. Et il n'y a pas d'autre entrée, tout ce que vous voyez en faisant un peu le tour, c'est qu'à l'arrière, il y a deux espèces de meurtrières, mais qu'elles sont situées super haut. Okay. Ça ressemble plus à un donjon qu'une tour où on vivait, quoi, parce qu'il n'y a pas de fenêtre qui laisserait entrer la lumière. Et vous vous demandez dans quelle mesure forcer la porte ne ferait pas s'écrouler gentiment tout l'édifice. Forcément. Mais comme le dit Altea, ça se tente. côté caserne, alors le sol est en bois, c'est un plancher, c'est un vieux plancher, alors qui doit être en chêne puisqu'il a plutôt bien résisté au temps. Il y a encore des, alors la pièce est grande, hein. c'est d'un seul tenant, il n'y a pas de cloison à l'intérieur. Ça pourrait faire penser peut-être à un réfectoire, quelque chose dans ce goût-là. Il y a encore des traces de mobilier qui, lui, par contre, n'a pas survécu, hein, qui est à moitié défoncé à travers la pièce. Et puis, pas récemment, hein, vraiment du vieux truc qui n'est plus en état depuis très longtemps. Végétation qui pousse à l'intérieur depuis un petit moment aussi. Le truc un petit peu étrange, c'est qu'en plein milieu du sol, il y a une sorte de puits, il y a une margelle en pierre, carrée, qui encadre un gouffre béant qui plonge dans l'obscurité. Et il n'y a pas même qui vive. Si j'essaye de regarder dans le gouffre béant en question, tu t'approches, aperçois-je quelque chose ? Tu te penches, une légère sensation de vertige parce que tu vois pas le fond. Ça plonge dans le sol, ça plonge dans le noir, et ça atterrit Dieu seul sait où. Mmh. Ce que je vais faire, c'est que je vais prendre une de mes torches, l'allumer, et... Tu vas l'acheter. Soumettre l'idée de la laisser tomber dans le trou à Bancroft, et il en pense quoi. Il est plutôt pour. Allez, allumons une torche. Vu que vous n'avez pas encore inventé la poudre, t'es à peu près sûr que tu vas pas faire sauter la caserne. La torche dégringole dans le noir. Dégringole. Elle n'est plus qu'une espèce de minuscule lueur lorsqu'elle touche le fond. Sans nul doute, avec un bruit assez mat. Ouais, ok, ouais. Et Bancroft te dit, eh ben, c'est du trou. T'es même pas sûr que ta corde suffirait à aller en bas. Ouais. Il te donne une petite bourrade dans l'épaule. Et il te dit, si j'étais vous, je ferais attention à pas tomber. Ouais.
Non, c'est là, non, on a, c'est pas le moment là. C'est pas le moment pour le gouffre. Hein. Et quoi d'autre dans la pièce? Rien donc. Mis à part un mobilier dans un très très sale état, non, rien. D'accord. Moralité, moralité, on va ressortir. Si, pardon. Excuse-moi. Il y a une porte de sortie en haut. D'être entré par le sud, il y a une porte de sortie au nord. Oui. D'accord. Mais je vais quand même d'abord rejoindre nos compagnons qui ont fait le tour au de, la de la tour, voir où ils en sont. Le tour de la tour, bien décevante, puisqu'apparemment bien impénétrable. Je leur fais part de ce que j'ai trouvé. C'est-à-dire pas grand-chose. Un trou. T'as ne pas un plus, grappin, voilà. Des fois. Si, j'ai tout ça, mais est-ce qu'on a vraiment le temps d'aller inspecter ce trou maintenant? Ah, je parlais des meurtrières, alors, là-haut. Tu veux passer par une meurtrière? Jeter un œil, voir si c'est intéressant ce qu'il y a dans la tour. Si Royce a envie de grimper, j'ai un kit d'escalade. Hein. Faut escalader, moi ça me dérange pas. Roulant des mécaniques. Allez, tiens, je lui file mon kit d'escalade. T'en as pas un d'ailleurs? Non. Tu sais bien que Royce n'a rien. Il n'a même pas à bouffer. Qu'est-ce qu'il lui demande un kit d'escalade? Il a même pas pris une pomme en partant du village. Oui, mais pourquoi avoir un kit d'escalade quand tu ne veux pas escalader et que celui qui ose escalader n'a pas de kit d'escalade? Vous êtes bizarres, les gars. Alors, tu pourrais l'appeler Altea quand même. Il a escalade, je lui donne de quoi escalader et moi je vais aller voir le Houvent en attendant. Ok. Voilà. Vraiment bizarre. Pourquoi celui qui a l'équipement, c'est pas celui qui a les capacités? Ton état pourquoi de... celle qui pose des questions, c'est celle qui monte pas? Ton état de santé, Royce. Moi j'ai ni le kit. Va se résumer à un jeu d'escalade. Ouais. Est-ce qu'on peut l'assister d'une manière ou d'une autre? Waouh. Royce, tombe pas, Royce. Non, mais essayer de repérer où est-ce qu'il y aurait des prises plus simples. Tu peux dire merci au matériel d'escalade qui fait baisser la difficulté. Parce que t'as du bon matériel. Tu as tout ce qu'il faut pour coincer entre les joints des pierres, prendre appui dessus, ce genre de petit délire là. Le mur est globalement assez plat, il n'y a pas beaucoup de rebords sur lesquels tu pourrais te reposer, ce qui rend le truc un peu compliqué. Tu finis au bout d'un long moment à atteindre une des meurtrières. Tu pourrais passer le bras au travers, mais pas la tête, par exemple. À l'intérieur, vu qu'il n'y a pas de fenêtre, c'est l'obscurité la plus noire. T'as juste le petit ray de lumière de ta meurtrière qui éclaire une pièce. Alors le mobilier, même si tu peux pas faire le comparatif, le mobilier est en meilleur état que celui que William a trouvé, c'est-à-dire qu'il n'est pas en miettes. Il a mieux résisté au passage du temps, bah, du fait certainement d'être dans la tour. T'as l'impression que c'est des lits. Ceci dit, vu l'environnement militaire que vous imaginez, tu aurais bien vu des lits superposés, hein. C'est plus utile dans une garnison. Non, non, c'est des lits un par un, on va dire. Et tu as l'impression qu'il y a des montants en bois, comme si c'était des lits à baldaquin, avec encore des lambeaux de bouts de tissu qui étaient accrochés, qui devaient faire le tour de chaque lit. Ok. Et 2 milliards de toiles d'araignée, bien sûr. Ok. Et en tendant l'oreille, rien de particulier non plus. Ça grince un peu, comme les vieux trucs, mais non. Ok. Je vais redescendre. Tu redescends. Racontez à Altea ta trouvaille. Y'a rien. Que dalle dans ta tour. De l'autre côté. Avec Bancroft, vous montez le petit escalier. Pas le savoir avant d'avoir vérifié. Vous arrivez Merci. Sur une sorte de grande terrasse. Grande terrasse. Le sol est en bois, du même bois que celui qui pavait l'endroit où il y avait le trou. Il y a des résidus de caisses, de tonneaux, de choses qui devaient être entreposées là, qui évidemment n'ont pas survécu.
Mais ça n'est qu'un détail parce qu'en fait, devant vous, il y a un engin de siège. Il y a une baliste. Oh. Un bel engin qui devait être bien fait puisqu'il est encore debout. Un peu rouillé, évidemment. Il y a un peu de mousse qui a poussé dessus, mais c'est une baliste. Oh, je connais un Guédon qui aimerait bien avoir une baliste. Ça, c'est une bonne nouvelle. Pour jouer à 1, 2, 3 soleil. Eh ben, si, enfin, si Bancroft est un espion, maintenant il saura que Ament a une baliste. Au moins. On trouve que c'est un bel engin. Voilà. Il a dû coûter bonbon à l'époque, hein, parce qu'il doit avoir pas loin de 60 ans maintenant. Si c'est pas plus. Ouais. Y a pas de munitions. La corde est toujours là. Le mécanisme est un peu rouillé, mais si vous chopez la manivelle et que vous y allez un petit peu, vous allez finir par arriver à la tendre. Elle pourrait être assez facilement remise en état. Alors, elle est un peu fixée au sol, hein. Y a pas des roues. Elle peut pivoter ouais. sur son axe, ce qui est plutôt sympathique. Et bon. Ah ben, il faudra en faire part à Guédon et venir faire un tour ici. Hein. Ça donnera peut-être l'occasion justement d'explorer ce qu'il y a dans ce trou là. Hein, question de ne pas avoir de mauvaises surprises. Bancroft te dit s'il y a encore les quatre murs, ça ferait un bon coin à récupérer. Hein. Mmh. En vrai. Il y a des toits, ils ont bien tenu. Bon, la tour, je suis pas convaincu, mais je suis pas architecte. Ouais, ouais, ça peut être utile. C'est planqué entre les collines. Est-ce que ça continue encore loin, cet endroit en fait. Vu là où vous êtes, t'as l'impression qu'il y a à peu près, on va dire, autant de l'autre côté. Quoi. Bon, ça peut s'explorer, c'est pas encore. Oui, c'est pas énorme. Hein, c'était vraiment, c'est une petite construction. Hein, ça abritait pas 1000 hommes. Hein. Ouais. Eh bien, allons continuer d'explorer. Voilà, je raconte aux autres ce qu'on a trouvé, et puis je propose qu'on aille ensemble explorer la suite. Oui. Vous longez le mur qui se trouve à gauche, jusqu'à arriver devant une entrée. C'est-à-dire que le mur continue et va plus loin, mais il y a une assez grande ouverture qui se trouve sur votre gauche. Vous pouvez y passer la tête, hein, ça mène pas dans un bâtiment, c'est des murs qui sont à ciel ouvert. Et vous voyez ce qui doit être le hall d'entrée de cet endroit. Une espèce de pièce un peu d'accueil, un peu de stockage, mais qui reste à l'air libre. Et vous voyez surtout le mur, la muraille d'enceinte par-dessus laquelle vous êtes passé, et une espèce de grosse porte grillagée. Une herse qui ferme le tout. Et de l'autre côté, vous voyez l'extérieur. Donc, qui dit herse dit mécanisme, il doit se trouver pas trop loin, certainement. Une poulie, une corde. Ouais. Bah, on va essayer de regarder un petit peu si justement ce mécanisme serait là et en état. Vous finissez par le dénicher. Alors, comme ça, à ciel ouvert, il y a beaucoup de végétation qui s'est mis à pousser contre les murs, dans les coins. Il y a même des arbres qui ont commencé à pousser à l'intérieur. Vous finissez par dénicher derrière un buisson l'espèce de roue crantée qui sert à soulever ça. Alors la corde est un peu usagée, donc faudrait peut-être la changer un de ces quatre, quoi. Mais vous pensez qu'en faisant tourner la roue dans le bon sens, la herse devrait se soulever. Ben, on pourrait essayer de voir ça, ouais. Ben, est-ce que là, en fait, si avec Royce on tire un peu, là, ça donne quoi? Ça se soulève. Ah, ça fonctionne. Ça fonctionne encore. Ça couine, ça fait un bruit de truc rouillé, d'engrenage dégueulasse, mais ça fonctionne encore. C'est génial.
Donc on pourrait venir par ici, éventuellement récupérer la baliste, occuper le lieu, il y a des choses. Hein. Mm. C'est très très bien. Fort bien, fort bien. Et il y a quoi d'autre à part cet endroit, tu disais ? Si vous ressortez de cet endroit-là, alors j'en profite pour checker, le dessin se met bien à jour au fur et à mesure. Ouais, okay. Il s'est mis à jour. Ouais. Vous continuez au nord. Vous arrivez en face de ce mur que j'ai commencé à dessiner, qui vous bouche un peu la vue. Vous découvrez que sur la gauche, il y a une volée de marches qui monte. Hop là, oh, comme je dessine bien. Sur la gauche, il y a cette volée de marches qui monte vers un des bâtiments qui est couvert, et en fait c'est tout comme la terrasse où il y avait la baliste. En fait, il n'y a pas vraiment de mur, il y a la moitié qui est en mur, en pierre on va dire, qui fait à peu près jusqu'à la hauteur de l'escalier, et après c'est des poutres qui maintiennent un auvent en place, donc pas de mur particulier. Ça a l'air d'être une terrasse d'observation, mais qui ne donne pas dehors, qui permet d'observer à l'intérieur plutôt, et qui est couverte contre les intempéries. Et sur votre droite, vous voyez que le mur fait un angle, et vous voyez ce qui a l'air d'être le reste d'une deuxième tour, qui devait être symétrique par rapport à celle qui est en bas, quoi, et qui est dans un état à peu près aussi pourri. Ok. Je vais juste aller faire un tour en haut de la volée de marche pour vérifier qu'il n'y a pas un truc intéressant, sait-on jamais. Tu montes les marches, alors rien ne peut te surprendre, hein, y a absolument rien, sauf si le truc est vraiment invisible et planqué. Tu arrives sur la terrasse en question, de suite sur ta droite, t'as un escalier qui redescend. Ce truc a l'air d'être plus un lieu de passage qu'un lieu où l'on reste. Ça permet de redescendre à la fin de la caserne, que je vous dessinerai pas parce que j'ai pas la place. C'est une sorte de cour. Alors si ceci était une caserne, ça serait sûrement la cour d'entraînement. C'est une grande cour, il n'y a pas d'obstacle. Du coup, on peut y mettre plusieurs personnes, on peut y stocker des chariots par exemple, ce genre de petites choses là. Et la terrasse d'où tu es permet d'observer toute la cour. Le quatrième mur ferme bien l'ensemble. Le tout est bien hermétique. Le seul truc qui t'ennuie un petit peu, c'est que dans cette cour qui est envahie de tout un tas de végétation, dans un coin, il y a deux tentes qui sont dressées, avec des restes de feu au milieu. Oh la vache. Signe discret à Royce et Althea. Nous arrivons. Et vous voyez. Donc c'est récent. Ah oui, les tentes sont... elles sont pas neuves, mais voilà. Elles ont été installées il n'y a pas longtemps. Quoi. De même que... elles n'ont pas 60 balais. Là où ils ont fait le feu de camp, et vous diriez, il est là depuis plusieurs jours, il y a des pierres qui ont été bien mises en rond... Il n'est pas fumant, mais il doit être rallumé tous les soirs. Les fils de la griffe, ils sont toujours seuls. Ouais. Ils se déplacent à plusieurs. Ouais. Un par un. Il y en a pas assez pour qu'ils fassent des duos. Et d'après votre carte, il devrait pas y en avoir ici. Quelqu'un qui serait là. Okay. Ouais. Et on a fait du bruit avec la herse. Vous avez fait du bruit avec plein de choses. Oui. D'accord. Ok. Bon, perception, vois-je des mouvements, quelque chose ? Je vous autorise, alors je vais juste faire du clean de résultats pour ce que vous avez fait un jeu en perception avant. Allez-y pour vos jeux en perception. Eh ben, belle brochette de champion. Vous vous suivez bien. De là où vous êtes. Alors déjà, vous avez tous fait plus de 5. Je rappelle, 5 à 5, on voit ce qui est facile à voir. Vous avez tous fait plus de 5. Il y a des vêtements qui sont autour des tentes, en train de sécher, accrochés au mur.
Il y a des objets usuels, il y a des assiettes, voilà. Tout ce genre de choses. Il y a des couvertures dans les tentes. Signe que c'est pas vraiment pas abandonné. Vous avez pas l'impression qu'il y a des gens dans les tentes. Du reste, c'est des tentes une place. Donc c'est compliqué de se cacher dedans. Hein. On a un peu les pieds qui dépassent, on va dire. Un petit bonus éventuel à Altea pour avoir fait le plus gros score. Les tentes sont de manufacture identique. Donc elles ont dû être achetées en même temps et au même endroit. Et fabriquées par la même personne. Voilà. Ça peut mettre de l'eau à votre mur. Pas âme qui vive. Des vêtements d'hommes, de femmes? Alors de là, c'est un peu long. Une facture quelconque. Là, je t'avouerai, c'est des vêtements pauvres, ça c'est sûr. Ça sent plus la guenille que la tenue de soirée. D'accord. Ouais, donc pas de signe particulier, d'une quelconque appartenance. Non, pas d'ici. Pas d'ici, enfin, vous ne voyez pas d'ici. Alors, Okay. Bon, moi je dégaine mon arc, je prépare une flèche et je vais essayer de m'approcher des tentes en longeant un mur. Tu veux pas demander s'il y a quelqu'un avant? Je préfère voir s'il y a quelqu'un avant de demander. Est-ce que dans ta phrase il y a le mot discrètement ou pas? Oui, tout à fait. Eh bien, auquel cas, je veux bien voir si tu es si discret que ça. Oui. Bah, nous, on va peut-être chercher les éventuelles cachettes où quelqu'un pourrait s'être planqué pendant ce temps-là. Alors, je t'avouerai que, vu que c'est une espèce de place d'entraînement et qu'il n'y a rien, le seul endroit le plus proche où on pourrait se cacher, bah, c'est derrière le petit mur qui fait l'angle, quoi. La limite, ou derrière la tour, par exemple. Mais il n'y a pas, de bout de rocher derrière lequel on pourrait se planquer, il n'y a pas de morceaux de mur arrachés. C'est une cour basique, et du coup, il y a très peu d'endroits, voire même pas d'endroits où on peut vraiment se cacher. Tu avances. Peut-être juste un œil pour être sûr d'avoir bien vérifié tout. Tu avances, tu verses des gouttes de sueur à chaque branche qui craque sous tes pieds. Oh mon Dieu, il y a plein de végétation, c'est compliqué d'être discret. Tu entends les bruits de ta maille qui font chwingling-ling. C'est de marcher le plus lentement possible, mais elle fait quand même chwingling-ling. Ton objectif, c'est de t'avancer jusqu'à où? Jusqu'aux tentes. Ok. Tu arrives aux tentes. Sans que personne ne t'interrompe. Rien, personne. Non. Voilà, ok. Bon, je range mon arc, je sors ma dague à la main, question 2, et je commence à regarder dans les tentes les vêtements masculins, féminins, quelle facture. Je te confirme qu'il n'y a personne dans les tentes. Je te confirme que quelqu'un a dû y dormir cette nuit. Il y a des vêtements d'hommes pour l'une et de femmes pour l'autre. Et le plus intéressant sont sans doute les vêtements de femmes, parce que tu en as déjà vu des comme ça. C'est le genre de fringues que portent les Danes. Ah. Pour le mec, tu ne saurais pas dire, mais la Dana, clairement des fringues estampillées Dan. D'accord. Il y a beaucoup d'objets très pratiques. De quelqu'un qui voyagerait. Il y a de la nourriture, par exemple. Il y a tout le classique. Il y a des torches. Il y a de quoi les allumer. Dans les affaires de la nana, il y a quelques colifichets féminins, mais sans grande valeur. Pas de lettres, pas de documents, pas non. De quoi que ce soit. Ok. J'ai fait le tour de la cour. Alors la cour est grande, hein, donc du coup tu es un peu là. Si quelqu'un te regarde, c'est compliqué d'être discret dans la mesure où
ouais, t'es dans un cube, t'es en train de marcher dans un cube, il y a pas trop de... Voilà, quoi. Tu fais le tour de la cour. Pas âme qui vive. Pas de bruit suspect. S'il y avait quelqu'un là, il y a quelques heures, on va dire, ou il y a quelques minutes, donc soit il y avait personne, soit il s'est barré. Ou soit ils se sont barrés. D'accord.